épisode de Professeur Cyrus Letton. Mais c'est impossible, il dormait, j'en suis absolument... Non. Objection ! Et salut à vous les Bambis et bienvenue sur un nouvel épisode de Octopath Traveler. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons terminé avec le chapitre de Cyrus. Donc voilà, il a pu récupérer le livre volé auprès de Russell, voilà, le traître. On a redéposé le bouquin et Cyrus a appris qu'il y avait un ouvrage plutôt ancien, je dirais rite occulte, qui a été volé il y a une quinzaine d'années, je crois. Qui compte retrouver. Mais bon, son histoire, on verra ça demain, puisque on va continuer évidemment à agrandir l'équipe. Et la prochaine étape, c'est du coup d'aller voir Tressa la marchande, qui se trouve à Radoremu. Donc il faut aller totalement au sud de la ville, donc du coup Rock'n'Roll. Alors je sais qu'il y a deux épisodes, j'ai loupé un coffre. J'ai loupé un coffre au nord, je vais aller chercher dessus, tu sais quoi. Je vais faire une petite ellipse. A few inches later. Et voilà, du coup c'était ce petit coffre qui manquait, et dedans on a une pierre de foot, bon écoutez, pourquoi pas. Donc je retrouve du coup au sud des Gudins pour la suite de l'aventure. Je pars pour Gamelon. Ok, du coup, bah écoutez, Rock'n'Roll, comme ça j'en ai profité pour me faire quelques niveaux. D'ailleurs ça me fait penser, peut-être que Cyrus je peux lui apprendre. Ah oui, d'ailleurs on peut apprendre des trucs là. Je vais apprendre du coup le sort d'éclair. Et je sais pas quelle est la faiblesse des ennemis dans la zone suivante. Bah vu que la ville suivante c'est un peu portuaire de ça, donc peut-être faible à la foudre, je sais pas, j'ai ça comme ça. Bah écoutez, on va prendre fulguration pour le lol. Et du coup j'ai appris manœuvre d'évitement qui permet de réduire taux des mobs par deux, c'est-à-dire en doublant les rencontres. Mais j'ai pas l'activé parce que voilà, c'est bien pour poxer. Et Ophelia, je vais lui prendre le soin supérieur, je pense. La résurrection, je pense que c'est un peu tôt quand même. Et du coup, elle a pris sa première compétence de soutien qui permet de rallonger voilà, les effets bénéfiques d'un tour. Donc, là, je pense qu'on n'a pas trop d'effets bénéfiques pour l'instant, mais pour plus tard, c'est pratique. C'est pratique. Bon, là, on a des nouveaux mobs. Bon, là, je les ai déjà analysés de ça, j'en ai rencontré plein sur le route, mais bon, histoire de vous montrer un peu de combat. Les grenouilles, bon. Ils ont qu'à se débouquer, ça va pas être compliqué. Je vous montrerai quand même la puissance de Cyrus. C'est quand même un sus. Sur ma seconde partie, mais il fait. Enfin, l'érudit, ça fait tellement le ménage, ça veut absolument rien dire. Je vais appeler Canal, normalement, on va faire un pont sur le premier. Voilà, parfait. Nickel. Ensuite, Ophia, tu vas juste défendre. Pour passer ton tour pour gagner un point d'exaltation. Et là, on bourre. Petite luminescence. Voilà, 300 dégâts en zone, ça fait plaisir. Et Cyrus. Tu finis avec un vent glacial s'ils sont faibles à la glace. Et voilà, get wrecked. Ça fait trop le ménage. L'érudit, c'est trop bien. Franchement, pour pexer ça, je trouve c'est vraiment pratique. C'est vraiment très très pratique. Ok, ça sans feuilles. Parce que oui, l'argent dans ce jeu s'appelle des feuilles. Je viens juste d'apprendre ça. Comment dire, en avançant pas dans le jeu, il y a certains analogues, ils disent ouais, je vends cet objet contre 10 feuilles. Voilà. Ouh, le petit chat. Oui, c'est moi. J'ai pris par surprise. Putain, dommage que j'ai pas très ça, sauf que je pouvais le niquer. On va scier un truc. Est-ce que je peux l'avoir avec la magie? Ouais. Bon, voilà, j'ai fait un dégât, c'est normal parce qu'il est très très résistant ce con. Est-ce qu'on bourre ou pas? J'aime bien savoir sa faiblesse ce con. Ah! J'aime bien le foutre en faille, c'est ça le problème. Mais là, c'est très compliqué. Oh ouais, c'est avec la foudre. Ah, il va se barrer. Il va se barrer. Parce que là, avec un hit, je pourrais pas l'atteindre malheureusement. Je vais essayer de lui mettre un tir infaillible. Bon, j'y crois pas. Ah, voilà, il esquive. Il y a une trop grosse esquive. Je pense avec Tressa, je peux le niquer. Mais voilà. Au revoir. Non. Le chat. Si on me rappelle, moi, si on nique le chat, on gagne masse XP de ça. C'est max argent et tout. Mais comme j'ai dit avec la marchande, je pense qu'il y a moyen. Bon, écoutez, je suis vénère. Ouf. Oh non, les dégâts, oh non. Bon, j'ai plus de PT, c'est pas grave. Je pense que si ça va level up là. Dans ton cul. Ah non, merde. Oups. Il a pas level up ce con. Bon, c'est pas grave.
Écoutez, ce n'est point grave. Vous en faites pas, un jour on aura le chat. On l'aura le chat. Et du coup, on arrive dans la zone de Radremu. Voilà. Zone. Pas portuaire, comme je dis, voilà, un peu marin, ça. Évidemment, ils sont très sages. Je pense que. Franchement, tous les personnages ont des bonnes distances, c'est plutôt cool. Faut aller où? Je pense que je vais aller au nord. C'est quoi, je vais sauvegarder, j'en profiter. Je pense qu'au nord, il doit y avoir des coffres. Bon, on a des nouveaux mobs. Crustacés et des piafs. Ah, c'est quand même pratique l'analyse de Cyrus. Je vais appeler Jean-Michel Potiker. De toute façon, voilà, faut que j'utilise un peu. C'est après, on va le changer. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est Bing. Ça c'est moins bien ça. du coup, Cyrus, tu sers plus à rien. Ouais, t'es tellement à rien en fait. Est-ce que là tu fais un coup large? Parfait. Ah non, ils sont tous faibles à l'épée. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est Bing. Est-ce que toi t'es faible au bâton? Non, on l'accorde. Bon, Cyrus, vas-y, sors ton thé, sors un bouquin, lis quelque chose parce que là ça va pas être très pratique. Je vais rappeler l'Inde. Normalement. L'Inde est pas conne, elle s'adapte aux faiblesses des ennemis, donc elle fera jamais un bon, sachant que voilà, le couloir c'est un type d'épée. S'il y a une faiblesse en face, ça va l'exploiter au maximum, donc c'est pour ça. De toute façon, le crustacé, tu dégages. Voilà. Ah, c'était bien l'apothicaire, t'étais utile hein. Il a rien fait du fight. Putain, il manque d'XP quoi, putain. Je vais regagner mes PT. Alors qu'est-ce qu'on a ici? T'as me dit pas que c'est la suite. Ça pue tellement la suite, hein, merde, attendez. Oups. Et je cherche les coffres moi. Un nouveau mob, deux nouveaux mobs, oulala, trois de boucliers. De toute façon au bout d'un moment là on va se taper des mobs un peu vénères. Le piaf ouais. Alors, pourquoi il fait bon là? Pourquoi tu fais bon? Pourquoi tu me contredis ce que je viens de dire tout à l'heure là hein? C'est quoi ces conneries? Voilà, on va un peu bourrer, quoi qu'on bourre pas non. Bon j'ai rappelé le boutique, vas-y, je lui donne une seconde chance. Non mais. Allô. Tape. Ça c'est pour les boss ça. Ça sert à rien ça. T'as l'autre, ils sont en train de se booster tout en face. Je vais. Jamais que tu fasses un coup large en fait. Tu con. D'accord. Elle veut vraiment pas en fait. Kennel ne veut vraiment pas. Oh là là. Ah bah voilà, une boule de feu. Voilà. Ok, on va faire un truc. Coco, ouais. Non, je vais attendre encore un peu. Vas-y, t'as raison. T'as raison, vas-y, casse-toi, tu sers à rien. C'est le combat le plus long de mon existence. Je vais tenter un truc risqué. Au pire, attendez, au pire, on va faire YOLO. Voilà, on est l'air des glaces, allez. Voilà. Appel ménage. Face sur l'autre, je suis sûr qu'il fait belle arc vu qu'il vole. Ok. Est-ce que Cyrus peut le finir, ça, trop beau? Finis-le! Non, il a pas fini! Et un hit. Tu vas me faire un petit terrain faillible, qu'on en parle plus. Voilà. 91, c'est un peu pourri, hein. Un hit, vraiment qu'on la booste, hein, c'est vu que c'est l'urine. Voilà, c'est bon. Voilà! Double level up, on a regagné tous nos MP, enfin tous nos PT. Ça fait plaisir. Donc, voilà, je suppose qu'ici, il y a un coffre, voilà, évidemment. Évidemment! C'est ça le problème en fait dans ce genre de truc, c'est que voilà, vous avez décidé deux chemins, il faut savoir prendre le bon pour avoir le coffre au bout. Bon, du coup, on disait, là si on va. Attendez, on va aller là. Oui, il y a un coffre. Il y a un coffre. L'argent. L'argent. Olivital, ok, ça continue dans tout ou pas? Non, ça continue pas, ok. Mais bon, on a l'impression que ça continue, mais pas du tout. Pas du tout. Ah, quand même, hein, les PT de Cyrus partent vite, hein, si vous faites force de spammer glacier là. Enfin, du moins, Blizzard, je sais pas comment s'appelle cette attaque. Donc là, gauche, il y a une grotte. Mais. Dans ton cul. Bref, je disais, il y a une grotte, mais. Ah non, c'est pas une grotte. Hein, intéressant. Bon, ce que c'est. Bon, du coup, Cyrus c'est niveau 10, donc ça c'est pas mal. Ce vu que la prochaine quête, niveau recommandé, c'est 9, donc ça, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Et on est très très proche de la ville. Bah, de toute façon, on voit en bas à droite, il y a l'icône de la du village. Et donc, il faut aller à gauche. Bah, du coup, c'est quand même 20 minutes que j'enregistre. Hein. Putain, ça a été un peu long. Hein. Bon, en fait, pas. Je vais prendre en compte. De toute façon, c'est un peu compliqué. Faut que je prenne en compte tous les ellipses de combat. Ça, c'est. Faut vraiment que j'y habitue. Ok, donc voilà, Radremu. La ville de Tressa, la petite marchande.
Littéralement la petite marchande, parce que je pense que c'est la plus jeune des personnages qu'on peut jouer. On se reposera demain, on verra ça demain. Donc je sais qu'il y a plein de PNJ, tout ça, vous en faites pas, je pense avec Tressa. On va prendre la peine de parler avec eux dans le moindre détail. Est-ce qu'il y a un truc ici? C'est quoi, c'est l'auberge là? Ah oui, t'as un sacré auberge. Sacré auberge, mon ami! Bon, je savais plus que c'était aussi grand, quoi. Bon, qu'est-ce que t'as à dire, toi, par exemple? Comment vont les affaires? Comment vont les affaires? Comment vont La gueule! Ah, mais d'accord, t'as que ça à dire, quoi. Oh, attendez, y'a un mec là derrière. Et si on passait par là? Bonjour, monsieur. Who are you working for? Talk to me! Look him in the eyes. Ouah! Il m'ignore! Oh, bon, appétissant, d'accord, ok. 3 de force, pas mal. Allez, un autre PNJ là, mais en texte, lui, à tous les coups, il va dire bienvenue. Radoromoun n'est pas le plus grand port du royaume, mais c'est un endroit animé! Ok. Bah, c'est cool! Ah, bah, attendez, c'est quoi, c'est une église ça? Pas du tout. Ah, oui. Vous saurez à quoi ça va servir ça. Bon, bref, on va commencer le début d'histoire de Tressa, hein, comme d'habitude. Si vous avez compris, on met à chaque fois 2 épisodes pour faire un chapitre entier. Donc écoutez, rock'n'roll. Ces affreux pirates, je n'en pardonnerai jamais. Je compte bientôt récupérer coûte que coûte. Cette jeune marchande se nomme Tressa. Elle est originaire d'une petite ville portuaire du littoral qu'elle n'a jamais quittée. Ici, à Radoremu, elle négocie toutes sortes d'affaires et garnit les étagères. On peut aller plus vite là. Elle fait son possible pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Et se tenant sur les quais qu'elle a foulés 1000 fois, elle regarde la mer qui s'étend à perte de vue et rêve du vaste monde. Voilà. Mais un jour, une bande de pirates la détrousse. Ah. Et sa fierté de marchande lui donne le courage de riposter. C'est vrai qu'il y a l'idée que. Vous imaginez, je peux incarner un marchand dans un JRPG quand même. Elle décide alors de se rendre au repère des pirates. Il lui faudra l'aide d'audacieux alliés pour emprunter la voie qu'elle a choisie. Mais oui, t'inquiète pas, on va t'aider. Plus on y faut, plus on rit. Emmenez Tressa évidemment et commencez l'histoire. Va de là. D'accord, j'ai ma réputation qui s'est améliorée, je sais même pas pourquoi. Ce monde regorge de trésors et je sais que celui que je cherche maintenant quelque part. Alors je mettrai le cap vers l'horizon et le vaste monde qui s'étend au-delà. Bon, je suppose que c'est Tressa qui parle évidemment. Évidemment. Et sympa là quand même, j'aime bien la ville, j'aime bien la musique, ça. Plutôt cool. Ah, oh bah oui, c'est dû à la vie, hein. C'est dû à la vie de youtubeur. Hein. Ohayo, Tressa. Uchi no kanban musume wa kyou mo genki ippai da na. Asagohan mae ni shiire shite kuru. Tressa, chotto matta. Shounin taru mono, kakase nai 3 no mono ga 礼儀、笑顔、早起きでしょ。うん、完璧だ。今日も仕入れ頼んだぞ。任せといて。トレサ、気をつけるのよ。最近町の酒場にも海賊がうろついているからね。見かけても 近づいちゃダメよ。分かってるって。それじゃあ行ってきます。やれやれ。近頃のあいつを見ると昔の俺を思い出す。 一人前の商人を夢見て躍起になっていた頃だ。あら、トレサはあなたより優秀よ。ははっ、それもそうか。 Bon voilà. Du coup, on incarne la petite Tressa. Alors, bon, évidemment, je vais pas me répéter, mais Tressa est une marchande. Et ses aptitudes sont vraiment très intéressantes. Enfin, il y en a au moins certaines
qui sont plutôt OP. Bon, déjà, la collecte, c'est son truc de base, qui permet de voler de l'argent. L'argent, quoi, l'argent. Enfin, des feuilles, bon, voilà, vous comprenez le dire. Voler de l'argent aux mobs. Bon, sur les mobs, ça sert pas à grand chose, mais sur les boss, par contre, c'est pas mal dessus, donc ça, c'est pas mal. Elle a deux sorts de vent, capacité vent. Repos, ça permet de regagner des PV et des PT, et ça, en plus, ça enlève les altérations d'état, ça, c'est vraiment une compétence intéressante. Donc, PE, je pense, c'est une de ses meilleures compétences, ça permet de donner des points d'exaltation à un allié, ça, c'est totalement imba, c'est totalement fat. Feinte, ça permet, voilà, prochain attaque physique, vous dites qu'il va 100%, je n'ai jamais utilisé ce truc. Et acolyte, alors ça, je pense aussi, ma seconde compétence préférée de Tressa. En gros, en échange de feuilles d'argent, un peu engager des mercenaires, enfin du moins des soldats, n'importe quoi, en plein combat pour faire une action en quelque sorte. Et c'est notamment, je pense, grâce à ça qu'on peut tuer le chat, parce que ce coup est inesquivable, pardon. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. En tout cas, Marchand, moi, j'apprécie beaucoup ce personnage. En même temps, bon, c'est ma héroïne, c'est ma seconde partie. Et elle est quand même très pratique. Et du coup, elle se bat qu'une lance et un arc. Et puis voilà. C'était la petite présentation du personnage. Merci beaucoup. Donc c'est un peu un personnage mi-support, mi-DPS, on sait pas trop. c'est un peu un mix des deux, donc c'est plutôt bien. C'est bien, quoi. Et tiens, c'est pas la marchande la plus bosseuse du coin. Je sais, je fais toujours des voix à la con pour les PNJ. T'es même arrivé au port avant certains pêcheurs. ça ne devrait pas vous surprendre. Parce que je suis un meilleur marchand du monde. Vous savez aussi bien que moi que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Enfin, le poisson dans notre cas. On va chier du poisson. T'as bien raison. D'ailleurs, voilà la prise de ce matin. Un requin. Le vieux tenté. Il a pêché le vieux tenté. Oh, un marlin bleu. Un beau spécimen à la chair épaisse et ferme. Comme ma queue. Voilà ce que je peux vous offrir en échange. Oh, ça va un peu plus quand même. C'est un sacré morceau ce bestiau. Oh, bon, tant pis, je vais aller voir ailleurs alors. Dommage. Votre hameçon l'a déchiré les tripes. J'ai eu le prendre quand même, mais là... alors, on essaie de vendre la camelote. On la fait pas au moins. Moi, je suis le marchand de la galaxie. Hein. Bon d'accord, merci conclu, mademoiselle. C'est toujours un plaisir de me fournir chez vous. Oh, tu dois en affaire, toi. Même le PNJ a même fait faire la voix. Et la négociation, t'as ça dans le sang, j'ai eu tort de te sous-estimer. Ça, c'est sûr. J'en ai peut-être pas l'air, mais je sais marchander comme personne. Et je risque pas de l'oublier. Allez, reviens quand tu veux, hein. Reviens me baiser une autre fois. A bientôt et encore merci. Voilà le merlin bleu qui m'a coûté 800 feuilles. Non, je... Comment ça m'a coûté? Ensuite le vin. Et allez, ça picole, voilà, c'est un jeu là. Pardon. Non, c'est évidemment. Donc, voilà, petit tuto pour nous montrer un peu l'accent spécial de Tressa, qui est du coup une action noble. Voilà, je vous invite à ce que j'ai dit sur le précédent épisode, des actions nobles et rogues. Donc, Tressa, un peu acheté. Des items PNJ, c'est vraiment très pratique, hein, parce qu'on peut avoir des trucs vraiment fat, faut le dire. Par contre, des fois, ça coûte la peau du cul. Hein. Et évidemment, parce que chaque action d'un personnage a son contraire. Vas-y, je pense que vous pouvez imaginer le contraire d'acheter un item, c'est tout simplement le voler. Donc voilà, tout simplement. Donc une petite bouteille de vin, voilà, à 50 feuilles. Un vin de qualité. Et c'est ici que vous trouvez le meilleur hydromel. Essayez de le faire pour les bonnes affaires. T'as ce nombre de fois, c'est le nombre de fois que j'ai vu cette phrase quoi. C'est spam. Je me demande toujours qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bah, la YouTube monnaie. Et la question qui me va ensuite, c'est l'argent. Pardon.
Ikari wo orose! Ojimete miru fune. Doko no fune kashira? Yare yare. Shiketa machi da ze. Daga, ii nioi desu na. Meshi wa waruku nasasou da. Uu, Joe-chan. Dou shita e me o maruku shite? いかすだろう。俺は私トレサって言います。この町で商人やってるんです。ほう。ああ、どんな積み荷が乗ってるんだろう。 もしよかったら見せてもらえませんか？ 商人として勉強したいんです。 いい目だな。 まるで宝物でも見てるよ。 だが、悪いな。 俺は信頼できる人間しか船にあげねえ。 Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je peux pas marchander avec des PJ, attendez. Attendez, le suspense de ce qui se passe. Voyons voir ce que tu vends toi. Ouh. Des raisins curatifs. 35 c'est pas cher donc. C'est quoi? Je vais en prendre. Putain, je m'en souviens le premier boss avec Tressa. J'ai tellement chié. J'ai tellement utilisé de potions, je m'en rappelle. Bon qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce grabuge? Hein? C'est qui se passe? Non, je vous en supplie. J'ai tout ce qu'il me reste. Et mon dieu, celui dans la même galère, mon vieux! Pouf! Et aussi, on est complètement à sec, pas vrai, Mac? Ah, tu l'as dit, Mick! Alors qu'on a besoin d'un truc, on le prend, on n'est pas des pirates pour rien, parbleu! J'ai pitié! Déjà, il a une voix super aiguë, le vieux, quoi! J'ai un vieux, il a une barbe! Capitaine, j'ai chopé ce qu'il fallait dans ce magasin! Oh, les mecs, ils volent tout! Capitaine, mais quel capitaine? Plutôt avoir qu'un seul capitaine, et c'est moi! Yeah. Ha! Tout le monde sait que c'est moi le capitaine, toi t'es le second! C'est ce qu'on va voir, Mac, sale chien galeux! Viens ici que je te bute, enculé! Moi, va régler ça, mec, pauvre raclure de fond de cale! Viens ici, sale enculé! Vous pouvez pas être capitaine tous les deux? Tout simplement. Ouais, bon, d'accord. Et toi, fais voir le reste de ton butin. L'argent. L'argent, ouais. Oh shit. Vas-y, on les défonce, là. Et arrêtez tout de suite. Et qui a dit ça? Ta mère! Les gens de ces villes sont des marchands, des pêcheurs honnêtes, qui travaillent d'arrache-pied pour gagner leur pain. Non mais Tressa, sont des pirates. D'ailleurs, ils n'ont pas de cœur, vous ne leur voyez pas le peu qu'ils ont. C'est pirates. Et du cœur, j'en manque pas, je te laisse une chance de mettre les voiles, gamine. Mais je... T'as intérêt à décamper, mouflette, viens pas fourrer tourner dans les affaires des grands. Je n'irai nulle part. Flip. Tiens, tiens, qu'est-ce que je vois là? On devient venir ici, c'est pas gentil de nous faire un cadeau. Ouah. Mais non. Il m'a volé ma bouteille de Fanta Fausse Kiwi. C'est pas une merveilleuse comme toi qui l'apprécierait de toute façon.
On te rend service en t'en débarrassant, tu devrais nous dire merci. Et rendez-moi ça, enculé. Ça suffit, petite. Les dieux. Et mes capitaines. Que du cran, faut bien le reconnaître. Mais ces messieurs ne semblent pas être du genre à entendre raison, tu vois. Sous ce des vieux contes pirates. Et ce marin d'eau, c'est de quoi il cause, gamine, tu vas mieux l'écouter. Dans ce bas monde, les forts saisissent et les faibles frémissent. Et Et merci pour le butin, bande de pétoncle pétochard, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi cette insulte de pétoncle pétochard? Mais ouais, au pisant, vous revoir les noobs. On vole tout. Je vois tes jambes trempées, petit hôte, inutile de le cacher. En même temps, je suis niveau 1. J'ai juste une crampe, c'est tout. Le meilleur marchand du monde ne peut pas se racheter sa vie une fois qu'on l'y a prise. C'est sûr. Je sais, mais la bouteille de vin. Il peut pas nous ficher la paix, putain, il devrait être en mer ces requins. Au lieu de ça, il se terre dans la caverne de Meia, à l'ouest de la ville. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Oh, je suis vieux. Je suis si vieux. Et j'ai perdu la bouteille de vin. Non, ma bouteille de vin. Plus de maillot. Monsieur le capitaine, ma bouteille de vin, s'il vous plaît. Si vous pouvez m'aider à la récupérer. Et où vas-tu comme ça, petit hôte? Eh ben, on va les défoncer. On va les maraves. Capitaine. J'espère me tromper, mais tu m'as tout l'air de mettre le cap sur le repère des pirates. Ça sent bien imprudent, n'est-ce pas? Je sais, mais... Ma bouteille de Frantafus Kiwi, quoi. Tu comptes y aller malgré tout. Tu dois donc avoir un plan d'attaque à toute épreuve. Bah, en faisant le tas... Michael Bay. Énorme, bien sûr. Tu ne dois tout même pas t'aventurer là-bas les mains vides, si. Bah, j'ai lancé un arc, donc voilà. Il faut être bien réfléchi pour croire que l'on peut marchander avec des pirates sans foi ni loi. Je sais bien, mais je peux pas rester les bras croisés. Ces pauvres gens risquent de mourir de faim s'ils ne récupèrent pas leurs biens. Sur mon honneur de marchande, je ne peux pas laisser ces maudits pirates s'en tirer comme ça. Des mots bien choisis, petit hôte. J'adore cette expression, petit hôte. Et vous trouvez? Oui, puisque tu es déterminé, je ne te retiendrai pas. À condition que tu me permets de t'aider. Ah! Et comment ça? Je suis prêt à mettre certaines de mes marchandises à ta disposition, si elles peuvent être utiles. Si tu as quelque chose qui t'intéresse, sers-toi. Moyennement paiement, bien sûr. Est-ce que vous avez un lance-roquette? Marché conclu. En tout cas, les bambis vont terminer pour cet épisode. J'espère que ce petit début d'histoire sur Tressa vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de commenter voilà, ce que vos impressions sur le jeu, tout ce que vous voulez. Et de partager mon let's play, ça serait très important, ça serait très gentil de votre part, histoire de faire un peu vivre l'aventure. Sur ce, je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine, un bon début de week-end. Et je vous retrouve dans un nouvel épisode dans quelques jours, hein, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.